argentin adapté au rythme de la valse avec quelques figures plus spécifiques. C'est un défi dans le sens où le tango argentin demande déjà de la ressource au niveau précision des pas, de l'équilibre et de la musicalité, mais la valse argentine va lui demander en plus de la vitesse et l'application d'un rythme connu, celui de la valse, dans un répertoire utilisé normalement pour du tango. Et parce qu'apparemment, ce n'est pas assez difficile, elle a décidé de faire sa prestation, les yeux bandés, pour s'assurer de ne pas se faire déstabiliser par le physique incroyable de son partenaire. Je précise que c'est les professeurs qui écrivent eux-mêmes leur texte. C'est tout à fait compréhensible qu'elle doit d'avoir. D'ailleurs, l'encouragez bien fort. Bonne chance, Marie-Josée!